Il a, quand il s'en va au travail, il a poursuivi le chien. Je suis comme, il est devenu chien. Tu es devenu chien et tu as commencé à la suivre. Maintenant, quand je l'ai attrapé, il est tombé sur moi. Je me suis changé encore. Je prends mes lèvres. C'est tout. Depuis, tu l'as tapé. Tu gagnes quoi? Rien. Pour rien. Pour rien. Et tu l'as mangé? Il a mangé la tu l'as mangé. C'est ça, tu l'as mangé. Ah, mais c'est la question que je cherche. Mmh. Tu l'as mangé. Il a mangé. Comment? On a fait sauce, c'est ça, on a mangé. On a fait sauce. Il n'y a pas poulet au marché. Il n'y a pas poulet. Et c'est en quelle année votre maman est décédée? En 2011. Hein? En 2011, 12 janvier. La mort, elle est morte. Et quand elle est morte, vous avez su que c'était la sorcellerie? Oui. Oui. Et puis elle, là, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas elle qui l'a su. Quand elle est morte, quand elle est morte, c'est un mec qui a dit que c'est ma vieille qui m'a tué. Ah, avant de tomber. Quand elle est tombée, c'est son cadavre. Cadavre qui a dit que c'est ma maman. Maman, c'est toi qui m'as tué. Et puis toi, t'as dit quoi? Il a répondu. Il a répondu. Tu as mangé ta fille? Il a mangé ma fille. Quelle partie? Il a mis la tête aussi. Ici aussi. Ici, là, c'est où la poitrine? Et c'était doux? C'était doux? Oui, c'est doux. C'est comme la viande. C'est comme la viande. Comme nos viandes des moutons, là. Elle saignait. Elle saignait tout le corps. Oh là là, c'est ça. Elle a fait de l'argent. On a dit que c'était l'agression. Ouais. On n'a même pas agressé. Ils ont laissé son portable, tout l'argent. Donc, elle s'est arrivée au chute de Kourdi. Quand elle est arrivée au chute de Kourdi, on l'a rasé. On n'a pas vu de cicatrices. Des cicatrices. Cicatrices. Oh. Intact. Le sang dans son ventre. C'est ce qu'on appelle le coup mystique. Oui. Et quand on parle de ça, moi je disais sur blanc, j'ai dit écoutez, quand on dit mystique là, ça veut dire en français. Ça a un sens, ça veut dire quelque chose, un mystère, quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, on reçoit ce coup là, qui est mystique, qu'on ne voit pas. Bon, quand on dit une mort mystérieuse, il y a un mystère autour de la mort qui fait que le médecin, qui est le scientifique, il trouve que ce n'est pas normal. Maintenant, c'est qu'il y a une autre vie. Alors, si vous ne maîtrisez pas ça, restez tranquille, que nous qui le maîtrisons, que nous arrivons à vous expliquer. Parce que moi, j'ai été victime d'une maladie mystique, moi-même, Crasso. Mais pour moi, j'étais infecté. Aucun médecin n'arrivait à me guérir. Aucun médecin. Mon papa est mort de ce coup-là. Boum, il est tombé, il est mort. Mon papa est mort. On va à l'hôpital, on dit qu'ils l'ont étranglé. On ne voit pas les traces. Donc, il y a des choses. Quand vous ne les maîtrisez pas, ne prenez pas de position. Parce qu'il y a des traductions dans lesquelles où les gens ne croient pas la sorcellerie. Si vous ne croyez pas la sorcellerie, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Bon, si vous ne croyez pas, non, vous dites non, non, que vous ne voulez pas savoir, c'est que vous-même, vous ne maîtrisez pas la vie. Parce qu'on n'est pas censé tout connaître. Or, la vie, là, c'est tellement qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Amen. Amen. Oui. C'est toi qui l'as tué. C'est moi qui l'as tué. Ta propre fille. Ma propre fille même. Elle a fait un jour dans ton ventre. Combien 9 mois? Elle a fait 9 mois. Il n'y a pas eu de douleur quand tu l'accouchais? Il y a des douleurs. Il y a des. Et puis tu manges. La sorcellerie qui est dans mon ventre, c'est ça qui a. Pourquoi tu n'as pas pris la sorcellerie là pour jeter dans la lagune? Sorcellerie. Allez, va dans la lagune, allez. Pourquoi tu n'as pas jeté dans la lagune? C'est maintenant, je dis. Je vais jeter, je suis pris. Bah, tu es rassasié quoi? Non, elle est déjà rassasiée. Tu es vieille, tu as mangé, sans jinglé, tu critiques, blala, toutes les sauces. Les enfants aussi sont arrivés quitter dedans. Hein? Je dis, il y a les enfants qui sont arrivés quitter dedans. Tu as donné aux enfants aussi? Non, je n'ai pas donné les enfants. Mais quoi? Je dis, il y a les enfants dont je vais pardonner, je vais quitter. Je vais regarder les enfants aussi. Tu as regardé les enfants? Les enfants ont été regardés, c'est toi qui les regardé. Non, doucement, laissez. Je suis sorcière, vraiment. Vraiment, je n'ai pas dit que je n'ai pas sorcière. Je suis sorcière même. En fait, ça fait mal aux gens, ça tu vois, non? Fait, ça fait voilà. Mal. Voilà, tu sais. Même, ça me fait mal aussi. Ça te fait pas mal, il faut arrêter ta commune. Oui? Non, mais ça me fait mal. Mon dernier oncle, lui, il boit son nom. Et puis, il a eu 3 enfants. Quand ses enfants meurent, ils font une semaine, ils meurent. Ils meurent. Mais tout pour que ta famille vienne ici. Voilà, c'est important. Il faut qu'ils viennent demain matin pour qu'on règle le problème de famille, là. On va régler ça. Maman, nous t'aimons. Vous savez, ceux qui t'ont envoyé ici, là, pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Hein. Demain, là, je vais vous montrer le film de comment les gens règlent le problème dans un pays, petit pays, ce qu'on appelle Cameroun, dans une région de Cameroun. Ce n'est pas tous les Camerounais qui font ça. Au Cameroun, il y a plus de 200 ethnies. Comment les gens règlent le problème de sorcellerie? Quand tu es sorcier, comme ça, on te brûle. On met le feu sur toi.
Non, c'est fini. Mais nous, on ne peut pas brûler parce que le fait de tuer quelqu'un, c'est comme un sorcier, c'est la même tuer là. Il n'y a pas de raison. Si vous voulez tuer là, on ne doit pas tuer l'être humain. Peu importe la raison. Ça, peu importe la raison. Qu'elle soit criminelle, qu'elle soit truie. Quand je vois truie, non. Peu importe la raison. Parce que d'ôter la vie d'un être humain, c'est de s'opposer à Dieu. Même se tuer soi-même, ça dit c'est donner la mort. D'autres pensent que non, mourir, c'est régler un problème. Tu mens. Tu t'es suicidé, c'est un maître. Tu vas rendre compte à Dieu par rapport à ça. Le seul problème que les gens, ils ne pouvaient pas vivre avec une maman qui mange l'homme. Tu as compris, non? Il faut comprendre ça comme ça. Il y a des séries d'événements qui arrivent dans la vie des gens qui n'arrivent pas à comprendre que ils se disent que c'est pas normal et c'est pas naturel. D'autres personnes progressent, ils avancent, mais eux, c'est des séries de malheurs qui leur arrivent. Donc il faut qu'ils se posent beaucoup de questions. Or, la question, la solution se trouve dans la maison de Dieu. Or, tu reconnais aujourd'hui que tu es sorcière. Or, avant que tu n'arrives ici, Dieu avait déjà commencé à parler à leur intuition. Vous voyez, souvent il y a des choses comme ça, souvent Dieu nous parle. Dieu nous dit, effectivement, telle personne est sorcière. Vous voyez? Et puis, les sorciers, je les comprends. Hein? Il ne peut pas venir te dire, non, je suis sorcier. Il a dit, les sorciers. Maintenant, tu vas les délivrer. Tu vas les chaussures, non? Chiffler. Ça ne me délivre pas. Parce que tout qu'on fait, quand la personne est sorcière, il faut qu'elle soit délivrée. La vieille, oui. Tu comprends? Ça fait mal. Ça fait mal. De comprendre qu'une dame, lui, sa maman, qui est ta fille, tu la tues. Pendant qu'il y avait encore la vie devant elle. Tu comprends? Or, tu n'as encore rien dit. Parce que ce que tu dis là, tu n'as encore rien dit. La vie des enfants que tu as gâtés là. Tu as combien d'enfants? Il y a 6 enfants. Or, tu as mangé combien? C'est... Tu as mangé. Maintenant, tu as gâté le reste. Mm-hmm. Tu as tout gâté. Ils sont là. Il y a tout gâté, le travail là. Et leur vie? Le travail est gâté. Mais il travaille, mais l'argent n'a gagné pas beaucoup. Ça, là, j'ai déjà compris. Hein. Moi, c'est mon travail, j'ai déjà fini ça. Il pourront être là demain. Ils sont là. Ok. Il faut que tu sois délivré pour qu'ils soient mesurés. Est-ce que depuis que tu es venu ici, on t'a frappé? Hein? Ici, on ne frappe pas les gens. Ici, on ne maltraite pas les gens. On te comprend. Mais on se dit que tu vis avec quelque chose. Ce qui est en toi, là, ça peut se déclencher un matin, puis ça ne peut aller manger l'homme. Hein? Pendant qu'on dort, on ronfle, et puis toi tu fais ta petite sauce. Sauce, tu mets à cuit dedans, tomate fraîche, et tu manges avec achiqué. Donc tout ça là, il faut que tu sois délivré. Est-ce que toi-même tu regrettes ça? Hein? Oui. Non. On est 4. Il y a une qui est décédée. C'est 9 personnes. 9. Dans votre sorcellerie là, vous êtes 9. Il y a 2 personnes décédées aussi. Vous êtes 9 personnes, vrai ou faux? C'est vrai. Ok. Et toi, tu es la reine? Je suis la reine. Ok. Maintenant, où est le Kondjo qui t'a donné? Le Kondjo là. Voyez, c'est le Kondjo là qui t'a donné le pouvoir. Le Kondjo là, il y a Kondjo rouge. C'est ce que tu utilises. Vous savez? C'est qui ta tante t'a donné là? Kondjo rouge. Oui. Kondjo là, j'ai jeté ça. C'est moi qui t'amuse. Kondjo rouge. C'est ça. Ça y avait moi. Mais pourquoi tu dis que tu as jeté? Ça y avait moi. Pourquoi tu dis t'as jeté? Hein? Tu as vu, non? Comment je dis que tu n'es pas prête? Quand vous venez ici, là, moi je sais. Mais je suis en train de faire beaucoup de diplomatie pour ne pas exciter, parce que les gens déjà, ils sont déjà énervés. Donc il faut les apaiser. C'est pour ça qu'on parle avec toi. C'est pour ça que je mets un peu d'humour dans ce que je dis. Sinon, c'est des saletés ce qu'on peut rencontrer. C'est des saletés. Mais après ici, vous êtes obligés de vivre ensemble demain. Notre souhait, c'est que quand vous quittez ici, vous soyez en mesure de vivre avec vos familles. Ah, c'est vrai. Et que vous soyez en sécurité. Parce que nous, après la délivrance, on vous suit après. Hein, on cherche à savoir. La maman, là, comment elle vit à la maison, pour on vient. Toi, tu es où? Tu habites où? Hein? J'habite à Agban village même. Voilà, nous, on peut arriver à Agban. Pour voir comment les gens te traitent après la délivrance. Parce que c'est important. Hein? Comme le vieux, là, on va chercher à savoir comment les gens te traitent après. Tout ça, c'est important. Parce que il faut que vous quittiez la sorcellerie. Et que Satan n'ait plus d'éléments pour tuer les gens. Tu vois, non? Tu parles et puis tu mens au prophète. La vieille, tu mens au prophète. Tu mens au prophète. Comme je vous dis, avant, quand il était venu, il a dit ça.
C'est moi qui ai dit, c'est pas toi qui m'a dit ça. Qui m'a dit, il a dit, il a répondu. Mais tu n'as pas dit ça tout de suite. C'est ça, j'ai oublié. Mais quoi tu peux oublier l'âme que tu prends pour tuer? J'ai dit ça. Tu dis que tu as jeté. Où est le conjo? Où c'est? Ça y avait moi. Ça y est toi. Mm-hmm. Comment tu fais pour utiliser ça? Comme je l'ai dit, il est propre à attacher. Hein? Le cou là. Hein? Il est propre à attacher le cou. Le cou des gens. Tu fais quoi? C'est ça. On l'a attaché là. Mm-hmm. Il tombe. Il tombe. C'est ton pouvoir ça. Ok. On attend demain, d'accord? Est-ce qu'on te traite bien? Quand tu es là, les gens n'ont pas de problème avec eux? Oui. Ça va? Ça va? Ok. Demain, on va poursuivre ça demain matin, d'accord? Ok. Allez vous asseoir.